voilà un demi-siècle que j'ai fait mon premier pèlerinage à Chartres. Je n'ai pas compté, mais j'y suis allé très souvent. J'y suis allé plusieurs fois comme étudiant, comme jeune prêtre en accompagnant les étudiants de ma paroisse. J'ai déjà accueilli plusieurs pèlerinages de Chartres, en tant qu'évêque de Chartres. Et puis j'ai fait ce pèlerinage comme accompagnateur. J'ai vécu le pèlerinage de Chartres en 1978, si ma mémoire est bonne. Alors j'ai vécu le pèlerinage de Chartres essentiellement comme prêtre. Et puis comme évêque aussi, puisque j'ai accompagné les jeunes de Nanterre l'année dernière et puis l'année d'avant. Et depuis que je suis évêque de Créteil, je n'ai jamais raté aucun pèlerinage. On trouve sa propre identité quand on se donne aux autres, quand on donne sa vie aux autres. C'est quelque chose d'important pour faire avancer nos idées. Quand on ne donne pas sa vie, on vivote, on prête sa vie. Mais au fond, on va passer toute sa vie et on va passer à côté de sa vie, quoi, tout simplement. Et donc l'engagement, c'est le cœur même d'une existence. Et je trouve extraordinaire que pour des jeunes qui sont en train de réfléchir aux grandes options de leur vie, ils aient ce temps de réfléchir. Même si on marche ensemble, il y a inévitablement et heureusement des temps de silence personnel qui sont propices justement à prendre ce rythme lent de la marche. Et là, il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'on se pose en marchant. Et donc je souhaite beaucoup et je le souhaite à tous les jeunes qui participeront à ce pèlerinage. On revient toujours différent d'un pèlerinage. Chartres est un lieu irremplaçable et je vois que chaque année, après Chartres, des jeunes dans l'aumônerie, des étudiants se mettent en route ou des jeunes professionnels. Donc j'invite tous ceux et toutes celles qui me regardent et qui m'écoutent à vivre cette expérience, peut-être pour la première fois, mais une magnifique expérience.